France Concorde. Il y a Kabila. Nguanda travaille avec Kabila. Nguanda, il est au service de Kabila. Nguanda, il est au service des autres puissances étrangères pour toujours distraire la diaspora. Amis téléspectateurs, merci na disponibilité na bino na kat émission O les grands duplex to lobelaka ba situation yo surtout et le kana kat République démocratique du Congo. To lobela ba sujet tellement ébélé o esali ko déranger mingi ba congolais. Situation en République démocratique du Congo lelo. Et ça vraiment trop critique, mais à travers cette émission na monsieur Mathieu Ilunga o azalangai. Ba question o botinda ki to tuna monsieur Mathieu Ilunga ko répondre biso. Surtout, tout le monde, il y a un mouvement citoyen qui est en Paris. Et puis, le syndicat de Kolo Moka Salaki, qui est et pourquoi le mouvement en Rwanda est critiqué toujours le syndicat de Kolo, est critiqué toujours Félix Tshisekedi. Bon, là, M. Mathieu Ilunga. Bonjour, M. Mathieu. Merci, M. le journaliste Didier Dipumba. Merci dans Balandina Bissonio sur le Balandaka Bissosio Congo France.com. Monsieur Mathieu Ilunga, tout le monde qui mouvement citoyen et comme qui n'a qu'à y a Paris, tout le monde qui a propos au Yabato, il a assisté qui n'a qu'à y a conférence ou an. Est-ce que déjà tout le monde a impression na yo parce que tout le monde qui on dirait Batak et Salamaki entre Batou y a syndicat de Kolo, entre Batou Félix Tshisekedi na Batou Angwanda. Qu'est-ce qui s'est réellement passé ou bien ni les autres campements n'ont qu'à se cesser? Merci beaucoup, M. Didier Dipumba. Avant que Kende Kokota n'a pas critique, Oyezali, Bipaï n'a Bipaï, il faut nous auto situer dans la nation, Bayeba. Mouvement citoyen Ezali. Mouvement citoyen Ezali, concept. Concept, il y a que. Bah citoyen bah téléma bah zoa responsabilité na bango bah revendiquer bah droit na bango bah analyser bah question na bah interpeller bah et bah koki kozala na décision na tous les échelons, c'est-à-dire mouvement citoyen les ali mouvement bah ezo banda na se ezo kende likolo. Il n'y a jamais eu un mouvement citoyen ou eko banda likolo na bah décideur politique ou na bah classe ya ba élite moko boye. Non, il faut éloigner la batouillasse, baye bazanga parole, les sans parole, les sans voix, ba mis organisé pour la ko changer l'ordre social. Voilà l'essence des mouvements citoyens. Alors, mouvement en attendant les autres salamans, et en abat citoyens, il y a niveau nyonso, bazali comme il s'est retrouvé, ou na koloba, na ba décideur, na ba politicien, na ba onyonso bazali ko zoa. Devoir et à co-diriger société, pas interpeller Bango, n'a pas créer rapport de force. Voilà, but à mouvement citoyen. Maintenant, tant que Dokolo a lancé mouvement citoyen, et ça, le concept, c'est la mobilisation des citoyens conscients qui va prendre leurs responsabilités pour la co-interpeller, bah, décider, co-interpeller des. Soi-disant communauté internationale, voilà les citoyens, basu pouvoir nango. Awa na bamboka tozali, tozomo na bazo benga yango, pouvoir d'agir des citoyens. C'est les capacités des citoyens de s'organiser dans une dynamique où il y a quoi interpeller. Il faut mouvement citoyen, ezala indépendant na ba agenda politique, indépendant na ba parti politique, indépendant na ba idéologie politique. Ezali quelque chose où il y a quoi kozala, na agenda personnel, il y a des citoyens basali qui poser des questions sur leur vie, sur la vie dans la société ou dans les territoires qu'ils vivent. Voilà mouvement citoyen. Maintenant, bonanini batak. D'abord, banani batake mouvement. Dans l'autre jour, là, bayonyo se batake loko yango. Tomoni Patrick Mbeko, toujours tanga kombonae. Tomoni toutes les classes des Ngwandistes et Patrick Mbeko azali parmi des Ngwandistes. Au bazar en Rwanda, Tomoni de Konabiso ya Mwasi, au Azali na États-Unis, comme on a eu Masawa, Azali pe kokota na kati ya République wana na le même jugement ya ko interpeller ou ya ko finga. Koloba d'ailleurs que banda kalawana azalaki wapi. Pourquoi bato na bazak patakei? Syndicat de Kolalobi to sangana
bisogno soba citoyen, comment s'organiser? Pourquoi ça gêne les gens? Pourquoi ça gêne d'autres gens? Oli a kosangana, comment na concept ezalinini, mise en œuvre kozala nengenini, pona biti nini tokosala, pourquoi bazali ko attaquer yango na kofinga? Et ceux qui bazali ko attaquer yango, ça veut dire que batouana bazali na une autre agenda, parce que syndicat lobby, Tomi s'est mobilisé pour la Koloba, application et article 64, transition sans Kabila. Mais Bango Siko Bazako attaquer syndicat, Bazako tourne avec syndicat à Zalaki Wapi. Par exemple, Nazo Zoa, un gars que je respecte beaucoup, Patrick Mbeko, qui a écrit beaucoup de livres, qui parle des stratégies, qui parle de beaucoup de choses, et là, j'ai trouvé que Patrick Mbeko a tombé plus bas, plus bas, na banalise na bataknaï. Azali koloba keno, Angola, ezaki na nyongo, ezako pompe pétrole na biso, ezalaki kwesplate pétrole na biso, ezali na banyongo ebele, oyo dos en tous azako futate. Syndika na jamais été ambassadeur ya Congo, Angola. Syndika na jamais été nomme politique. Syndika azali, beau-fils ya dos en tous. Azaki na relation familiale. Alors, n'a pas comprendre te, à quel moment Moutoya Bali na Libala a commis pour autoproclamer ambassade à Congo ou bien homme politique. Alors, comment Mbeko a koko kitatina niveau wana? Pour la Kolobake, syndicat Zaki Wapi, tant que syndicat Zoya Lelo. Donc, c'est le moment où le syndicat a compris des choses que maintenant il faut se mettre en place pour bouger les choses. Et tant que Azongi n'est pas bandé connaît pas Congolais. Que tout ça en gana, tout ça là. Alors, il faut bien oboya, boye bise, ide na yo ezanini, li kamuni no lingyo sala, bit na yo ezanini, ba question nini tokoki ko attaque. Parce que le mouvement citoyen, il faut être dans le mouvement ezali tout terrain, et ko attaque question nyoso. Question sociétale, question politique, question stratégique, géostratégie, géopolitique, tout, il faut mouvement citoyen et attaqué. Et interpellé. Baye bazali na pouvoir na Congo, interpeller ba multinational ou bazali ko exploiter, interpeller de soi-disant communauté internationale. Voilà le but, ya mouvement, et cause dans le mouvement citoyen. Maintenant, Tomikati si tolobi ba ou bazali na diaspora, où est-ce que vous pouvez attaquer? Baye ba na mboka, où est-ce que vous pouvez attaquer? Baye bazali na ba région, pays frontalier, où est-ce que vous pouvez attaquer? Voilà comment on peut faire une stratégie ou géostratégie citoyenne au niveau de la région, au niveau du continent ou au niveau du globe. Maintenant, on a zoomé on a Patrick Mbeko, Azali Kokita, vraiment na étage yaba ko banda ko koloba syndicat Azaki Wapi, ça m'a beaucoup étonné. Et j'ai vu que Ngwanda na machine naye émis lokola bazaki commencé à retrouver des lokola Ngwanda alingaki azala leader ou bien ndenge bazo bengaye autorité morale ya diaspora combattante. Le quoi l'a commis se retrouver à l'Ukimena à mettre l'attaque. Voilà catégorie à Batouana Bazako attaquer syndicat. C'est ces gens-là qui ont vraiment échoué dans leur stratégie de mobilisation, dans leur stratégie d'éveil patriotique, dans leur même stratégie, il y a dans tous les points, bah, échoué les lobalingi, basa les lokomusus. Mouvement citoyen est le concept, maintenant il faut que on a la mise en place. Monsieur Mathieu Ilunga, tu vraiment na minute mingité. Est-ce que tokokolo ba ke syndicat de Kolo a sa na bonne relation na ba président à parti monsieur Snesi ba IDPS rassemblement déjà tout le bas. Est-ce que ça na bonne relation na Mwanansemi? Est-ce que ça na bonne relation na Moïse Katumbi? Est-ce que pe a sa na bonne relation na ba commission na ba président monsieur sa parti? Merci beaucoup, monsieur Didier Dupumba. Il faut tout dire qu'à mélanger, bah, torchon, na bah, serviette. Voyez, bi, et que, tant que, information, les lots, ils allaient pouvoir. Quand on n'a pas l'information exacte, y'a ma cambou, bah, coquille, que tambou, ça bise sur le quoi, bah, mouton. Et là, que Salama qui n'a Paris, conférence, ou forum, si les mouvements citoyens à Paris, ils allaient syndicat de Kolo, mouton organisé en côté. Syndicat de Kolo Azaki, invité. Alors, le quoi la syndicat a invité, l'invité ne peut pas inviter. Bato yo va inviter qui syndicat d'Okolo, ba mona ki lancement ya mouvement citoyen, ba ya ki mena, pour ba se rapprocher na mouvement wana, pour ba ye ba qu'est-ce qui peut sortir de ce mouvement là.
voilà la vérité. Tango bazaki wana na tuni ngai Mathieu, quand on a fait l'émission, j'étais contacté par Carbone du Filimbi. Ngai Mathieu na ABC Carbone, Carbone na ABC ngai Mathieu, que non mon frère Mathieu makambozo loba ngai na za na photo na moni multinationale te na moni ba impérialiste te. Na tuni Carbone, Carbone l'impérialisme ezali groupe des hommes te ezali idéologie politique économique. Na lobby yebisanga qui vous a invité. Carbone na yebisanga que ezali Filimbi nde e organisé conférence wana Filimbi nde invité batunyos. Na tuni Carbone, na lobby Carbone, quel est le budget que toi tu as pour avoir loué l'hôtel Dolce na forêt ya chantier, pour ezali domaine militaire, domaine de la ministère de la défense, pour ezali na côté moko stratégique, ba même batu na zamba wana ko isolé bango pendant 3 jours. Qu'est-ce que je te dis, je parlais avec Carbone, j'ai des preuves et tant na lobby lokwana pour te dire que syndicat a organisé qui est le côté, bah invité qui syndicat. Je ne suis pas porte-parole à syndicat, je ne défends pas syndicat, mais j'analyse les choses. Dengue na moni angona information na zanango. Syndicat a été invité, syndicat ne devrait pas inviter les autres. Maintenant sur le plan relationnel, ben syndicat a congolais a lancé mouvement citoyen à lobby batunyonso et bayato sangane. Tout monde qui va photo et les kaki. Syndicat, na Félix, na Katumbi. Alors, ceux qui ont une bonne relation ou pas bonne relation, ils ont une bonne relation, ils ont un restaurant, ils ont une bonne relation, ils ont une bonne relation. Et je ne peux pas parler, il y a une bonne relation, parce que je ne suis pas ni directeur de cabinet, ni secrétaire particulier, ni un de parmi eux. Voilà, Nazali, porte-parole, na bangote, Nazali, secrétaire particulier, Moko na bangote. Je ne peux pas me lancer dans ça. Et Koloba Mandasemi. Mandasemi, c'est un leader, mais ce n'est pas un politique. Mandasemi, c'est un leader populaire, un leader d'opinion, mais ce n'est pas un politique. Voilà ce que je peux dire là-dessus. Et bon, en relation avec Nibasa Nango Lelo, na honoré Ngwanda et pas dans mouvement Nae. Tout ce monde a commencé à attaquer. Tu sais, Félix, tu sais que le bazar qui a attaqué le syndicat de Kolo. Donc, tu es réellement relationné déjà le syndicat de Kolo à Sanango dans Honoré Ngwanda. Relationné d'abord le syndicat de Kolo à Sanango dans le mutuage de Honoré Ngwanda. Honoré Ngwanda, c'est déjà le produit de réforme. Moi, ça m'engage, moi et mon analyse. Ngwanda, c'est un produit de réforme. Ngwanda n'a rien à donner au Congo aujourd'hui parce qu'il a été déjà réformé. Et Ngwanda Kolobe Labatukeza n'a carnet d'adresse. Ngwanda Azalaki, conseiller en matière de sécurité à Mobutu. Quand on va longoli Mobutu, même tous les services à Mobutu, même Oezaki secret, Basi Balongoli Yango. Et mais tout en tête, quand Mobutu Azaki au pouvoir, Azaki en relation na président Reagan. Président Reagan à Sakoufa. Azakina Mitterrand à Sakoufa. Azakina Jacques Chirac. Jacques Chirac aujourd'hui, Azali malade. Tu vois? Azali malade. Yibi sangai bato, bajuvarana batouana, bazali wapi. Et pour te dire, les relations Focar, et Azakina Tango Mobutu, réseau Focar et à France-Afrique, et si là, tant que Sarkozy aille, à sali ba réseau Moussousou. Tant que Macron aille, Hollande aille, à sali réseau Moussousou. Tango Macron a eu Asali réseau Moussousou. Ngwanda n'a rien. Tout ce qu'il a eu comme information, et Zaki Batoubazaki qui a fait ces informations. Ngwanda ne peut pas aujourd'hui composer avec la jeunesse. Ngwanda, Asali Moutoua distraction, Moutoua y a qu'au divisé, Moutoua qu'au finga, Moutoua qu'au sale, n'importe quoi. Si moi j'étais conseiller des syndicats, je lui dirais que Ngwanda c'est un produit de réforme. Voilà ce que je peux dire. A quoi qu'on a la même relation T. Si nous vivons ce qu'on vit aujourd'hui, c'est grâce à Ngwanda. Parce que Ngwanda n'est pas même qui nous est venu. Ngwanda n'est pas qui est tout si. Parce qu'il y a un plan, il y a infiltration. Ngwanda n'est pas qui est en gros. Tant que Ngwanda est à côté de Mobutu, Bisengemana. Parce que Ngwanda nous parle de l'occupation, nous parle de l'infiltration. Bisengemana.
Azaki na école de formation d'officiers, un Rwandais connu à l'époque où Nguanda était au service. Qu'est-ce qu'il a fait? Dans toutes les promotions de l'école de formation, au Isali, école d'élite militaire, où on ne peut pas engager les étrangers. Mais Nguanda, en tant que chargé de renseignement, même ministre de la Défense, chaque année, il y avait des Rwandais au Bazaki Kouyana école Rwanda. Baza formé, toi, qu'est-ce que Nguanda a fait et a empêché? Quand il va venir aujourd'hui nous parler de l'infiltration, nous parler de l'occupation de l'Angola, mais quand Kivu était occupé, quand Mobutu avec Nguanda ont fait le CPGL, c'était pas syndicat. Le CPGL est fait à l'époque de Nguanda. Et tant Nguanda Zakina, bah, comptoir à diamant, n'a pas chambre foire de Nena, n'a Kafunfu, place Bazaro Sala diamant, n'a Tango Yaonita, syndicat n'était pas là. Alors, on ne peut pas nous dire aujourd'hui que Angola, Angola et Angola. Non! Tant que Mobutu, Nguanda, parce que vous avez des armes, et vous êtes France, et vous êtes États-Unis, parce que vous êtes Onita, Nguanda n'était pas, syndicat n'était pas là. Alors, aujourd'hui, moi, je peux dire vraiment avec force que Nguanda, c'est un produit de réforme. Nguanda ne peut pas même pas engager la lutte de la diaspora. Voilà ce que je peux dire par là. Et bongo, comment est-ce que bah, les derniers soirs, bah, Nguanda, bah, syndicat de Kolo, bah, Félix Tshisekedi, les lots, bah, ça, divisé, franchement, ils ont ça là, et dérangé même, bah, combattants, puis bah, Congolais, Misusu. Comment expliquer, Batouana, bah, ça, na idée moko, yako, zoa pouvoir, bien, yako changer régime, ya Joseph Kabila, mais tout en étant divisé entre Bango. Ah bon. Tu vois, c'est ça ce qui montre que, Batouana Nyoso, Bazali na intérêt, ya Congoté. Parce que ceux qui, nous avons un exemple d'abord à militaire, à pas militaire. À quatre armées, corps d'armée, ils allaient n'a pas unité et belé. Ils allaient là, n'a pas para, ils allaient là, pas commando, ils allaient là, pas fantassin, ils allaient même là, pas marine, ou pas qu'il y ait force navale. Dans le bateau, on a besoin de faire sa mission, il y a quoi attaquer objectif. Moutou na moutou, à dans la stratégie, il y a qu'on neutralise, selon les alliés. Mais les alliés coordonnés. Bite les alliés, qu'on neutralise l'ennemi. Aujourd'hui, l'ennemi est en Ango, les Ali Kabila. Et pour l'année, nous commençons à attaquer les uns aux autres. Alors, ceux qui commencent à attaquer les uns aux autres, c'est parce que Moutouna Moutouazo Linga, positionnement naïe, Azo Linga, intérêt à Congolais, Biso Tozo Linga, Tolongola, Kabila, pour l'Arsena, c'est Salam. Si le bateau Bazali, Kolinga, Kolongola, Kabila, Bazali, Kozoabakou, Yabal, derrière le dos, par les unités amies. Alors, ça veut dire que Batouana Bazo Salam, Sala, il y a Kabila. Nguanda travaille avec Kabila. Nguanda est au service de Kabila. Nguanda est au service des autres puissances étrangères pour toujours distraire la diaspora. C'est connu. Je connais. Je l'affirme d'ailleurs. Hein? Je l'affirme d'ailleurs. Nguanda a été félicité par des organisations dans le monde qui le félicitent pour la Moussala Salaka. Va féliciter Nguanda, va féliciter Kengo Andondo. J'ai les preuves. Alors, Batouana va se féliciter Nguanda Ponani. Alors, pour vous dire que Batouana, ce qui va se faire, parce que Moutouna Moutouazali n'a agenda caché naïe. Ok. Et ce qui va se faire, pour mettre en place les stratégies communes pour la lutte commune, ça veut dire que Moutouna Moutouazali n'a intérêt naïe, égoïste et personnel. Ok. Mais ce matin, tout ce qui a deux minutes, et l'on y a un par rapport à deux sujets auto abordés naïe. Par rapport à la sujet, non, voilà. Et là, on a Koki Koloba, tout le monde a qui baou et baïki na Kinshasa, tout le monde a Daniel Safou, Abimi, a bandit Kolobela, avec orgueil, Koloba contre le combat et diaspora. Na katia combat, il faut voir que le combat est en échelon, il va aller couper ça, maintenir la dictature et la multinationale, la puissance occidentale. Il faut diaspora, pour Yazali na Occidentaux, a mis attaqué par la multinationale Oana au Bazali, et monstre à mille têtes. Maintenant, il y a Bazali à l'intérieur, il faut pas mis attaqué à la dictateur pour affaiblir Yango à l'intérieur. Au Bazali, Banda Bazali, pour affaiblir la financeur, la donneur des ordres. Okay. Et ça, vous voyez, à l'obéli, avec l'arrogance contre la diaspora. Au Yazali, même, qu'on maîtrisait combat citoyen
na échelon ya monde azali ko maîtriser yango te. Et ça, ça nous a beaucoup fait du mal pour dire que Baeba Outaki Kinshasa, ils n'ont pas de leçons à donner parce qu'ils ne maîtrisent rien. Ils n'ont même pas les formations. Okay. Baeba benga ki bango awa, ba financer bango mbongo, ba pesi bango mbongo pour que les colons les appellent. Nous, en Europe, on connaît ça. On combat ça tous les jours. Okay. Voilà ce que je peux dire. Merci beaucoup, M. Mathieu Ilunga. C'est moi qui vous remercie. Au revoir.